Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le mardi 9 avril 2019, le président Henri Konan Bédier et les militants du PDCI RDA ont célébré le 73e anniversaire du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons de lutte pour l'émancipation du peuple noir. Les festivités marquant les 73 ans d'existence du PDCI RDA se sont poursuivies par une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Jean de Cocody à la demande du président Henri Konan Bédier. C'était le mercredi 10 avril. Une messe d'action de grâce au Seigneur pour lui confier la Côte d'Ivoire et les militants du PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédier était entouré par la circonstance de son épouse, du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikawé, des membres du secrétariat exécutif, des membres du bureau politique, des membres du comité des sages, des élus et cadres du parti. L'évangile tiré du livre de Saint Jean, lu au cours de cette célébration, enseigne la fidélité en toutes choses. C'est pourquoi le père célébrant, l'abbé Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, a exhorté les militants du PDCI RDA à ne pas baisser les bras avant de leur souhaiter un joyeux anniversaire. Il dira en substance, 73 ans dans la vie d'un parti politique est une grâce. Il a ajouté que ces 73 ans équivalent aux noces de feinte, alliage de fer et de carbone. Le PDCI RDA a la grâce d'avoir résisté au feu des obstacles et des difficultés du temps et garde toujours son charme. Que le PDCI RDA soit toujours persévérant dans sa lutte car, dans les arcanes de l'histoire ivoirienne, la voix du Seigneur ne cesse de retentir. Le curé a demandé aux militants du PDCI RDA de continuer à être ce qu'ils ont toujours été, des témoins et des porteurs de l'Évangile par le biais de la paix. Bonne suite historique à tous et à chacun, a-t-il conclu. Le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédier, a dit quelques mots à la fin de cette messe. Nous tenons à remercier tous les militants du PDCI RDA qui ont bien voulu se déplacer pour assister à cette messe d'action de grâce des 73 ans de la création du PDCI RDA. Merci tous très sincèrement. Je remercie également les prêtres qui ont bien voulu nous assister en disant cette messe pendant cette Eucharistie. Le PDCI RDA a rendu un hommage à un de ses dignes militants, Bernard Adier, homme d'État et écrivain, rappelé à Dieu le 9 mars dernier à l'affection de tous. Merci de votre fidélité sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À très bientôt.